Mesdames et messieurs, les diplômés de l'Université de Saint-Gall et spécialistes en formation continue à l'Université de Lausanne, experts du futur du travail et de la durabilité humaine, en particulier en relation avec l'IA et la technologie, en plus d'être l'auteur de HR Futures 2030, elle a fondé l'association Futur.ch. Elle siège au conseil d'administration de Midu KSA et soutient activement les questions féminines en tant que présidente du centre Femmes Vaux. Isabelle Chapuis, s'il vous plaît. Bienvenue Isabelle, la parole est à toi. Merci, merci, bonsoir à vous. Alors moi, j'ai, contrairement à Jérôme qui avait 10 minutes, j'ai 5 minutes pour vous parler du futur du travail. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un gros bouton. C'est un gros bouton, il est trop gros. Voilà. Alors, on est en 2023. En 2013, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Les 10 ans, la naissance de l'OICO. Et aussi, c'était la première fois qu'on a eu un chiffre par rapport à l'automatisation possible du monde du travail. Notre collègue, professeur à Oxford, a dit, Carl Benedict Frey, que 47% des métiers étaient potentiellement automatisables. Depuis, on entend que 40% des compétences s'obsolétisent tous les 5 ans. On comprend qu'il y a 8,5 trillions de talents qui manquent sur le marché du travail et que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, en gros, on a un gros problème, d'autant plus que on dit, enfin, un certain scénario qui a été écrit par l'Institut pour le Futur a dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ce qu'on comprend, c'est qu'on nage en pleine incertitude. Donc, peut-être là, c'était là-dessus que je devais être, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est la suivante. Ouais. Voilà, maintenant, c'est la suivante. En gros, on nage en pleine incertitude. On a bien compris dans les trois dernières années que le futur n'est pas une projection linéaire du présent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un point dans le passé, tirer jusqu'à aujourd'hui, puis tirer devant, clairement, ce n'est pas comme ça que ça marche. On a vu avec la guerre en Ukraine, le Covid, le blackout qu'on attend toujours potentiellement. Clairement, on est en train de voir le monde changer. Hein. On a de l'intelligence artificielle qui est en train de disrupter notre quotidien, tout comme des changements sociétaux d'ailleurs. Ce qui fait que dans ce nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer, on va devoir travailler différemment et on va devoir avoir de nouvelles compétences. Et puis, alors la question qu'on posait dès le début, c'est pourquoi est-ce que les entreprises devraient évoluer? Pourquoi plus d'agilité? Ça me semble évident, c'est très difficile d'imaginer que dans ces circonstances-là, on puisse ne pas changer. Ne pas changer, ce serait rester dans le déni, en quelque sorte, de tous ces changements qui ont lieu. Un déni qui... Voilà. C'est l'autre bouton. C'est pour ça. Voilà. Voilà. C'est la technologie. Donc, ce déni... il est normal, parce qu'en fait, on est tous sujets à un biais cognitif quand il s'agit de la technologie. Hein. On a tendance à surestimer l'impact de la technologie en général sur le court terme, alors qu'on la sous-estime sur le long terme. Alors là, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, pendant des années, depuis les années 50, on est un peu déçus, somme toute. Et tout à coup, en 2022, il y a quand même une prise de conscience qu'on est peut-être rentré dans une phase de chaos et petite de fascination aussi. Alors, ce que j'aimerais dire ici, ce n'est pas que la technologie ou les robots, on a vu des robots avant assez impressionnants, ils vont complètement faire ce qu'on fait, mais mieux. Ou que l'intelligence artificielle va reprendre nos tâches et les faire mieux. Ce qu'on dit, c'est plutôt qu'on va petit à petit introduire ces nouvelles technologies qui sont maintenant accessibles, même dans les PME, de manière à ce que nos habitudes vont gentiment changer, à tel point qu'en fait, on va devoir redéfinir les métiers. On va devoir, in fine, redéfinir probablement des industries, certaines disparaissent, d'autres naissent, et même carrément le concept du travail. Alors là, il y a un exemple que j'ai attrapé il y a quelques années sur LinkedIn, une photo que j'ai capturée tout de suite, j'ai trouvé géniale. En gros, en moins de 10 ans, en fait, le pilote et le caméraman ont tous les deux perdu leur job. Alors ce qu'on comprend, évidemment, c'est qu'il y a bien une industrie du drone, mais ce n'est pas les mêmes compétences. Alors on parle souvent de les métiers évoluent, donc en fait, ça va être des autres tâches. Parfois, on dit, ah, peut-être, est-ce que ce sera hybride ou est-ce que ce sera en présentiel ou au bureau? Mais dans le fond, ces changements sur le marché du travail, ils changent tout. Ils changent qui fait le job. Alors que, voilà, quand vous avez des métiers qui sont peut-être très physiques, on imaginait un homme fort, eh ben, on peut imaginer un homme moins fort, une femme. La langue maintenant n'est plus très importante. Ça change qui? Ça change ce qu'on fait. Donc les tâches, effectivement, vont changer. Ça change quand on le fait. On sait qu'on travaille maintenant
n'importe quel moment de la journée, et plus de où on travaille. Avec la télémigration, on peut, et la dématérialisation des emplois, on peut travailler depuis partout. Ça change comment on travaille, évidemment, pour combien on travaille. Donc, en gros, oui, si la question c'était est-ce que les entreprises doivent être agiles et changer, oui. Et puis, le résultat, c'est don't get stuck in your past, use it to fuel your future. Voilà. Isabelle Chapuis, mesdames et messieurs, tu peux t'asseoir, Isabelle, peut-être. Voilà, là. Ici. Ah, c'est pas ici. Voilà. Yeah.